Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire dans les fichiers. Alors, pour écrire dans les fichiers, c'est très simple. On va toujours avoir besoin d'un file descriptor. Oula, d'un file descriptor. On lui donne toujours notre chemin de fichier. Donc, moi, je vais écrire dans ce fichier-là, tant pis si on l'écrase. Il y a trois façons, en réalité, d'écrire dans un fichier. Vous avez donc le W, hein, qui est l'équivalent du R pour la lecture. Vous avez le WB qui est l'équivalent du RB, c'est-à-dire de la lecture en binaire. Donc là, WB, ce sera l'écriture en binaire. Et vous en avez un de plus qui peut servir à la fois de lecture et d'écriture. Vous avez le mode A qui veut dire append. Et le mode A, ça a la particularité de vous écrire un fichier texte à la suite. C'est-à-dire que si le fichier existe déjà, si vous lui donnez un nom de fichier qui existe déjà, ça ne va pas vous l'écraser, ça continuera d'écrire à la suite. Par contre, si vous écrivez dans un fichier texte avec le mode W, ça vous écrasera le texte si jamais ce nom de fichier existe. Ça recommencera à zéro. Donc nous, on va commencer par le mode A, bien sûr, sinon ça va nous effacer notre fichier texte et vous ne verrez pas la différence. Donc je vais écrire en mode append et je vais lui dire, dans une boucle for, voilà, je vais faire une boucle for, ça va être sympa. Dans une boucle for, je vais lui dire for i in range. Voilà, 10. On va lui dire, tu me fais un fd point write. Alors write, si je fais write, il va vouloir que je lui mette. Donc je vais lui mettre le i, mais il va marronner si je ne vais pas à la fin. Il va marronner. Il va me faire n'importe quoi si je ne vais pas à la ligne. Je vais le faire et vous verrez le résultat. Donc je. Ah oui, l'argument doit être un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Donc on a appris à le faire, à convertir. Je convertis mon i, ma variable i, qui sera égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça ne me va pas. Moi, je veux commencer à 1. Donc je fais ça. Et comme je veux que ça se termine réellement à 10, je fais ça. Voilà. Donc j'ai converti ce nombre, je l'ai converti en string, c'est-à-dire en chaîne de caractères. Et je l'envoie dans le print. Et je l'envoie dans le write, pardon. Voilà. Donc là, il ne m'affiche rien à l'écran, bien sûr, et il n'y a pas de print. Par contre, quand on ouvre notre fichier texte, vous voyez qu'il nous met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous avais dit que le write, il ne partait pas à la ligne ensuite. Si vous voulez partir à la ligne, il vous faut faire plus une chaîne de caractères qui est égale à anti-slash n, qui est le retour à la ligne en texte. Je refais ça. Je retourne dans mon fichier texte. Et vous voyez que cette fois-ci, il m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, il a démarré là, parce que forcément, il démarre à la fin du fichier. Ça, je vous l'avais dit. Et il me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça, c'est pour le retour à la ligne. Mais on aurait tout aussi bien pu faire quelque chose comme write lines, c'est-à-dire écris-moi des lignes. Et là, ce n'est plus la peine de mettre anti-slash r. Voilà. Vous pouvez directement faire ça. Voilà. Et là, il va vous mettre. Attendez un instant. Write lines. Write lines. Alors. Ah oui. Je dois lui envoyer les. Oui, pardon, excusez-moi. Write lines, vous devez lui envoyer les lignes. Par exemple, si j'ai. En guise de ligne, j'ai ma liste qui est maison. Hop, on va faire quelque chose de rapide. Voiture, moto. On va dire que ça, ce sont mes lignes. Et je lui dis pas de me faire un range, mais de me faire ça. Donc là, c'est déjà en chaîne de caractères, ce n'est plus la peine de le convertir. Je lui dis, tu me fais ça. Alors voilà, le write line, il faut lui dire aussi à la fin de chaque ligne d'aller à la ligne, sinon il ne comprendra pas, il ne sait pas. Donc on va le faire. Hein. Hop, maison, voiture et moto. On lui met un petit retour à la ligne à chaque fois. Alors, write lines, on peut directement l'écrire. C'est pas la peine de mettre une boucle for. Hein. On peut faire ça. Et là, on lui dit de lui envoyer directement sa liste avec toutes ses lignes. On fait ça. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. Il ne faut pas oublier, voilà, il ne faut pas faire comme moi, il ne faut pas oublier de mettre l'anti-slash n à la fin de chaque ligne, parce que sinon, lui, il ne comprendra pas que c'est une ligne. Voilà. Donc, pour le mode append, c'était ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'écrire les lignes, et on va le faire en mode W. Oups, j'ai oublié là de faire ça. Voilà. Donc là, je l'ai fait une fois ici avec la liste directement et une fois ici un par un. Donc en mode W, ça efface. Donc
Voilà, vous voyez que le fichier est totalement neuf. Et il me le fait ici aussi. Je vais retirer l'anti-slash n sur maison et voiture pour vous montrer la différence. Vous voyez, il ne va plus à la ligne. Voilà. Donc, petite précision de ma part. Il faut ne pas oublier, quand on a fini d'utiliser le fichier, le file descriptor, faire un. Utiliser la fonction close, c'est très important, sinon ça va rester affiché en mémoire, enfin dans la RAM, et ça va vous créer des problèmes, des fuites de mémoire et compagnie. Donc n'oubliez pas, que ce soit pour la lecture ou pour l'écriture, de faire un fd.close, enfin fd. L'fd c'est le nom de ma variable, j'aurais pu l'appeler comme j'ai voulu. Voilà, moi je l'ai appelé fd, donc il faut utiliser la méthode close, la fonction close, sur votre file descriptor. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Voilà. C'est tout pour cette vidéo d'introduction à l'écriture de fichiers. Nous verrons de manière un peu plus poussée comment écrire dans des fichiers binaires cette fois-ci, mais ce sera plus tard. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire.